conseil municipal s'est doté de plusieurs comités consultatifs afin de produire des recommandations sur différents sujets d'intérêt. Ces comités sont constitués par règlement qui désigne les membres citoyens. Les membres, nommés annuellement par résolution du conseil, peuvent recevoir des jetons de présence. Chaque comité doit faire rapport annuellement au conseil municipal sur les sujets qui lui sont désignés par résolution du conseil en début d'année. Généralement, un élu municipal est désigné sur chacun des comités afin de faire le lien avec le conseil municipal et recommander des membres. À la demande du conseil municipal, le comité consultatif d'urbanisme étudie et soumet des avis et recommandations sur toute question en matière d'urbanisme, de zonage, de lotissement ou de construction. Apprenez-en davantage sur le comité consultatif de Lac-Beauport en visitant le site web de la municipalité. Vous pourrez consulter les procès-verbaux et obtenir de l'information supplémentaire à ce sujet. Il se passe une bien belle chose à l'école du Trivent 2. Les élèves de 6e année font pousser une belle variété de fines herbes et de légumes. Ils réussissent très bien en récoltant leurs produits une fois par mois. Leur secret? Deux tours aéroponiques qui fournissent de l'eau à leurs plantes à raison de 5 minutes par heure et 16 heures de lumière ultraviolette par jour. Ces deux tours ont été acquises grâce à une aide financière de 3 000 $ en argent américain d'un organisme qui a pour objectif de permettre aux enfants des États-Unis et du Canada d'adopter une saine alimentation. On ne se limite pas seulement à faire pousser les plantes, on les transforme et on les vend. Un projet entrepreneurial est venu s'ajouter à la culture des plantes. Trois élèves, Alissa Morissette, Annabelle et Raphaël Girard, sont les représentantes de cette micro-entreprise qui offre des fines herbes, de l'herbe à chat, des épices à trempette, du pesto maison, des biscuits verts pour chiens, de la tisane à la menthe. Des produits conçus et développés avec l'aide précieuse des parents. Leur objectif est de proposer la vente de leurs produits une fois par mois. La grande première, qui a eu lieu le mercredi 1er mars dernier, a été une grande réussite. Rendez-vous à la page 7 du Lavallois pour obtenir plus de détails sur ce beau projet. Ayant à cœur de proposer une offre de services correspondant aux réels besoins et aux attentes de ses citoyens, le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de Stoneham et Tewksbury souhaite connaître l'opinion de ses sportifs pour le projet de la pratique de sport libre en gymnase les soirs et fins de semaine. Ils ont reçu quelques demandes à ce sujet et ils aimeraient savoir si vous êtes nombreux à avoir cet intérêt et à vous engager à utiliser cette nouvelle offre. Vous êtes invité à compléter le court sondage sur la plateforme de consultation citoyenne Horizon d'ici le 16 avril à minuit pour leur permettre de mieux analyser le projet et ajuster leur offre sportive en conséquence. Visitez la page Facebook de la ville de Stoneham pour en savoir davantage sur ce sujet. La Ville de Québec s'est entretenue avec trois organismes afin d'accélérer la réduction à la source ou la récupération des matières résiduelles. Ces trois ententes représentant un investissement total de 145 500 $ pour permettre la réalisation de trois projets. Le premier projet est mené par l'incubateur de projets éco-responsable, l'atelier La Patente. L'organisation reçoit la somme de 75 000 $ afin de proposer une série d'ateliers sur la fabrication d'objets utilitaires à partir de matériaux récupérés, l'entretien et la réparation d'objets utilitaires, ainsi que des formations pour apprendre à faire soi-même certains objets du quotidien. Il est aussi prévu que l'organisme organise une conférence portant sur la saine gestion des matières résiduelles et qu'ils offrent 60 jours de récupération de matières réemployables. Le deuxième projet, financé par l'administration Marchand, est celui de Valoriste Québec. Un montant de 45 000 $ leur a été attribué afin de tenir des activités de récupération de contenants consignés. Selon la Ville, cet organisme est principalement actif dans les quartiers centraux. Finalement, le Conseil régional de l'environnement, région de la capitale nationale, a aussi reçu une subvention de 20 500 $ afin de réaliser son projet. Concrètement, l'organisme souhaite aider les entreprises de la grande région de Québec à trouver des solutions concrètes pour réduire l'utilisation de produits à usage unique. Visitez le site web de Métro-Québec pour en apprendre davantage sur ces projets. La deuxième édition de la classique hivernale des Cantons Unis de Stoneham et Tewksbury, présentée par Desjardins et en collaboration avec la municipalité de Stoneham et la souche Stoneham, a eu lieu le 18 mars dernier à la patinoire couverte du Parc des Fondateurs.
La patinoire réfrigérée permet dorénavant de tenir de tels événements plus tard dans la saison, dans des conditions plus civilisées, au contraire de la première saison où il avait fait très froid. Au plus grand bonheur des instigateurs et organisateurs Dominique Aubé et Frédéric Raymond, qui ont travaillé sans relâche depuis janvier pour offrir aux citoyens un événement de cette qualité. Rendez-vous à la page 16 de l'Écho du Lac pour en apprendre davantage sur cet événement. Rendu au mois d'avril, il est temps de penser aux vacances d'été. Et pourquoi aller ailleurs quand on peut décrocher et être dépaysé dans notre propre région? Les hébergements insolites ont la cote ces dernières années. La créativité est au rendez-vous pour vous faire passer la nuit de manière inusitée. Les expériences se multiplient partout au Québec et la Jacques Cartier ne fait pas exception. Découvrez les suggestions de tourisme Jacques Cartier au www.jacques-cartier.com dans la section Hébergements insolites. Un été bien rempli se dessine dans la région de la Jacques-Cartier. Rodéo Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, spectacle à la Chapelle du Lac, courses en sentier comme la Trail du coureur des bois du Chêné, la vitrine VG, les événements seront nombreux dans la région cet été. Les billets sont déjà en vente pour plusieurs d'entre eux. Ne manquez pas votre chance d'y participer. Pour plus de renseignements, consultez la section Actualités et événements au mrc-jacques-cartier.com. Thank you.
Les inscriptions au camp d'été se dérouleront exclusivement en ligne sur Kidigo jusqu'au 30 avril à minuit. Après le 1er mai, aucune inscription ne sera acceptée. Il est fortement suggéré aux parents de créer ou de mettre à jour leur profil de famille avant la période d'inscription afin de gagner du temps et d'éviter des désagréments. Ils sont confiants de pouvoir accueillir tous les enfants pour les semaines régulières. Les places sont seulement limitées pour les 4 journées supplémentaires et les camps spécialisés. La municipalité vous offre des facilités de paiement en choisissant l'option de financement en 3 versements sans frais. Les inscriptions sont à la semaine ou pour l'été au complet, et ce avec ou sans service de garde. Le club FADOC Les Joyeux Retraités de Charlebourg est heureux de vous inviter à leur souper dansant le 8 avril à 16h45 au 425 rue du Bienheureux Jean 23. Pour connaître le tarif, effectuer votre réservation ou obtenir de l'information, contactez M. Claude Dinel au 88 622 94 27 avant le 5 avril. Joignez-vous au Club de l'âge d'or de Sainte-Brigitte-de-Laval tous les lundis matins à 9h30 au bâtiment du Parc des Saphirs pour aller marcher. Si vous désirez, apportez vos bâtons pour pratiquer une nouvelle routine Move Vitalité avec bâton. Peu importe l'activité ou le sport pratiqué, l'exercice régulier est l'une des meilleures choses que vous puissiez faire. Il n'est jamais trop tard pour se mettre à faire de l'exercice et en tirer des bénéfices, peu importe l'âge auquel on commence.